Bizimana kati ya Washington. Balobi mama mardi ne. Mama mardi ne. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya ya ni yo Congolais. Olingi ne kola yo. A sali sa yote. Pona kolia na yo. Moko babone la yo. Pona mtoto na yo. Moko ya ele. Poko babone la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à kola na basiwa. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous moko. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Face à Face. Un nouveau numéro aujourd'hui. Nous parlons politique, mais nous parlons surtout de la vie de nos entreprises publiques et la qualité des animateurs. On en parle aujourd'hui avec M. Monante, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, vous connaissez ce nom. Il est chef de parti, le parti socialiste, il est allié à l'UNC. On parlera aussi, pourquoi pas, de ce procès de Vital Kamerhe et Jean-Ri, pourquoi? Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, on en parlera, mais surtout la présence et des alliés de l'UNC et de l'UNC au sein du gouvernement de Samalou Kondé. Est-ce qu'ils vont être invités? Est-ce qu'ils seront là? Bon, on verra et on en parle. Je rappelle que M. Monante, c'est l'œil du président au sein de l'ONATRA, cette entreprise qui fait parler beaucoup et beaucoup de choses. Comment allez-vous, M. Monante? Je vais très bien, cher Christian. Ce que j'apprécie, c'est que vous parlez correctement français et le lingala aussi. Donc, de tous deux côtés, vous êtes fort. Je me débrouille. Oui, et c'est très bien. Vous êtes un acteur politique que tout le monde connaît. On connaît, j'ai envie de dire, vous avez aussi une grande gueule à un moment donné, vous faites vraiment le show quand il le faut. Je me rappelle encore de comment vous êtes toujours inscrit en faux contre toutes les thèses du Rwanda, de la guerre à l'Est de la République, on sait tous. Mais l'actualité, c'est aussi ça. La mort de cet ambassadeur, finalement. Est-ce que c'est une mort de trop? Est-ce que ce n'est pas une raison maintenant de parler des questions de l'Est pour dire que ça n'épargne personne maintenant? Parce que les gens attribuent ça à Félix Tshisekedi comme pour dire qu'il est le responsable, comme vous le faisiez à l'époque. Kabila, aujourd'hui, c'est Fatshi. Oui. Ben, autre temps, autre mœurs. Oui. Je crois que la vraie différence, c'est qu'à l'époque du régime précédent, de Joseph Kabila, il y avait un laxisme latent et patent dont tout le monde pouvait se rendre compte. Et un manque de sanctions totales. C'est ce laxisme-là et ce manque de sanctions-là qui nous ont poussés à considérer Kabila comme le responsable de la situation qu'on traversait. Parce que s'il s'inscrivait en faux contre cette situation, il sanctionnerait. Pour ce qui est du régime actuel... Mais à l'époque de Kabila, j'avais eu un ambassadeur tué, hein. Non, mais il y en a eu à l'époque de Mobutu. Oui. On avait aussi dit que c'est Mobutu. Oui. Boutros de Gagne. Non, Gagne Mascol, à l'époque de Kassavubu. Oui. Et puis il y a eu l'ambassadeur de France à l'époque de Mobutu. Oui. Oui. Là, c'est le troisième officiel de cette portée-là. Mais j'allais dire, par rapport à la guerre de l'Est, vous m'avez posé la question de savoir si ce n'était pas une mort de trop. Oui. Non, Christian, n'en déplaise à ceux qui me suivent, je vais en choquer certains. Plusieurs d'ailleurs, mais vous l'avez dit ici. À défaut d'être une grosse gueule, je ne le reconnais pas, mais je sais au moins, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Oui. Je crois que c'était peut-être la mort la plus nécessaire. Comment ça, la mort la plus nécessaire? C'est pas sadique? Non, pas du tout sadique. J'en profite d'abord pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'ambassadeur et à tout le peuple italien. Mais les choses étant ce qu'elles sont, nous avons constaté, nous devons de constater qu'il est mort et qu'il ne reviendra pas. Maintenant, le plus important, ce serait que cette mort-là ne serve pas à rien. Et quand je dis que c'est la mort la plus importante, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, l'Est de la République, Goma et ses environs, Routchour et consorts, sont maintenant dans l'œil du monde.
tous les regards du monde sont focalisés sur Goma. Parce qu'il y a eu la mort d'un ambassadeur. Mmh. Italien, donc occidental, blanc de surcroît. Mais cette mort a été précédée par des millions de morts. Oui. Et ces millions de morts l'ont été dans un silence assourdissant oui. de la communauté internationale. Mmh. Est-ce que je regrette? Oui, je regrette qu'une vie humaine soit perdue de cette manière-là. De même que j'ai eu à regretter, à déplorer des millions de vies humaines de Congolais perdues de cette manière-là. Vous avez même versé les larmes sur le plateau de télévision. Avec, oui. À l'époque, j'avais encore mes, oui. mes locks. Oui. Mais je dois être honnête, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est la vérité, et je me dois de la dire. Aujourd'hui, un blanc, un ambassadeur tué et le monde bouge. Des millions de Congolais abattus. C'est leur quotidien d'ailleurs. Ils vivent que de ça. Ils vivent de ça. Oui. Personne ne bouge. Et chose plus grave, je crois que lui, il est mort par balle. Oui. Il y a eu, il y aura malgré tout de la décence autour de sa dépouille mortuaire. Oui. Au moment où les Congolais sont tués. Par machette. Découpé en morceaux. J'ai vu des bébés, comme vous l'avez l'autre fois dit, des bébés dans le mortier, en train de piler. Oui, mais piler. C'est inconcevable. Oui. Et je me dis aujourd'hui, j'espère que ça ne sera pas une mort inutile, parce oui. qu'on doit capitaliser cette mort-là. La communauté internationale doit comprendre aujourd'hui que lorsque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, notre président, comme j'ai l'habitude de le dire, ouais. on doit comprendre que lorsqu'il demande le soutien de la communauté internationale... C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ouais. Lorsqu'il demande... Ce n'est pas que pour les Congolais. Hein. Lorsqu'il demande la levée de des restrictions d'achat ouais. d'armes, je ne parle pas d'embargo, mais des restrictions d'achat d'armes modernes, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'il demande le financement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas pour rien, parce que là, aujourd'hui... Antonio Guterres, plusieurs autorités occidentales disent que tout doit être mis en œuvre pour mettre un terme à la carrière de ces terroristes. Le mot magique est sorti. Oui. Mais lorsqu'on parle de terrorisme, donc, on reconnaît que la RDC est sous le coup d'un terrorisme actif. Qu'a donc fait la communauté internationale? Donc il faut le faire maintenant parce que ça a tué un ambassadeur. Non, ça n'a pas tué. Ouais. Ils ont tué un ambassadeur. Okay. C'est la communauté internationale. Comment ça? Mais... C'est la communauté internationale qui a tué cet ambassadeur. Comment c'est des rebelles, c'est des groupes armés. Oui, mais les rebelles à travers la communauté internationale, à travers ces rebelles. Ces rebelles-là, que font-ils dans toutes ces contrées-là? Ils exploitent des minerais. Oui. Avec quelle arme? Comment ils achètent les armes? Moi, je me suis toujours posé la question. D'où viennent ces armes? Oui. Ces armes viennent des lobbies, des grands groupes miniers et consorts, qui financent ces rebelles avec des armes ou de l'argent, afin qu'elles sèment la terreur et que le lieu d'exploitation ne soit pas changé ou perturbé. Donc, la même communauté internationale qui aide ces rebelles-là à s'approvisionner en armes, en munitions ou en argent pour pouvoir racheter ces armes, eh bien, cette même communauté internationale voit que ces armes qu'elle achète se retourner contre l'un de ses bénéfices. Oui. C'est la communauté internationale, je le dis et je le répète, qui a tué à travers les rebelles l'ambassadeur d'Italie. Si on avait réagi à l'époque, et pour ça, il faut reconnaître que depuis l'époque de Kabila, même s'il y avait des complicités au sein de l'armée, mais au moins le discours a été le même. Depuis l'accession de Facci, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, mais la diplomatie est plus qu'active dans ce sens-là. Mais les morts ne cessent pas. Les morts ne cessent pas. Écoutez, que voulez-vous qu'il fasse? Mais qu'il arrête ça, qu'il arrête l'hémorragie. Oui, mais comment arrête-t-on une guerre? Mais il a dit qu'il allait vivre là-bas, qu'il était même prêt à donner sa vie. Vous avez vu comment France 24, RFI, les chaînes étrangères, comment ils offrent le plateau à des gens pour descendre littéralement Félix Tshisekedi. Oui, mais vous pensez que l'ambassadeur italien mort, sa mort lui permettra mieux de se battre pour les causes pour lesquelles il se battait, parce que c'était un grand philanthrope. Il était très actif dans le niveau des ONG. Il aimait beaucoup la faune. Il a fait énormément pour beaucoup d'enfants à l'est de la RDC, des orphelins et consorts à travers l'ambassade, des programmes qu'il soutenait. Maintenant qu'il est mort, vous pensez que tous ces programmes resteront viables? Non. Vous voulez que Fatih se tue? Vous pensez que si il devait mourir aujourd'hui,
Ça va régler la problème. Ça va régler la situation? Non. Je dis toujours, je préfère être un anonyme vivant qui se bat pour mon pays qu'un héros mort dont l'action s'arrête pour son pays. Le chef de l'État avait dit, il faut voir aussi le contexte, et je ne change pas ses propos, je vais mettre l'état-major avancé à l'Est et je vais m'installer à l'Est. Il est chef de l'État, commandant suprême des armées. Quand il dit qu'il va s'installer à l'Est, aujourd'hui, où est l'état-major? Mais à l'Est. À l'Est, non? Donc, il y est. Puisque le chef d'état-major le représente à l'Est. Sinon, dans ce cas-là, dans chaque pays où l'ambassadeur de la RDC est invité à une cérémonie, on devrait demander au chef de l'État d'y être. Mais que dit-on? Il représente le chef de l'État. Et à ce titre-là, je crois que c'est un faux débat. Parce que ce n'est pas lui, même si c'est ça à l'Est, ce n'est pas lui qui va aller au front. Mais Firmin Ngambi estime que le chef de l'État aurait pu... Il traite le chef de l'État d'un démagogue. Il dit qu'il fait un démagogue. Il dit qu'il promet, mais qu'il ne réalise pas. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de promesses non tenues. Mais il y a une différence entre la vision d'un homme et l'exécution de cette vision par d'autres hommes. Le chef de l'État a une vision qui cherche à matérialiser. Mais si les pistons ne fonctionnent pas, que voulez-vous qu'il fasse? Il faut changer les pistons. Mais il a changé les pistons en mettant un terme à la coalition FCC-CACH. Oui. Il a changé les pistons en déboulonnant le bureau du Parlement. Non, mais c'est que vous n'avez pas entendu Martin Fayoulou, alors. Martin Fayoulou dit clairement que c'est un jeu. Il dit que c'est un jeu, un deal entre Félix et Kabila. Kabila dit, je vais liquider tous les miens, ben alors tu prends le pouvoir, et moi je m'éclipse un peu pourvu que je vive, mais ce qui est vrai, c'est que sur le terrain, on est en train de voir autre chose. Voilà ce que j'allais dire. Certains propos ne méritent même pas de réponse. Les meilleures réponses sont le silence, et les meilleures réponses, ce sont les actes. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité, Félix? De pantin, marionnette, nommé et consort. Mais tous les actes qu'il pose vous permettent de constater qu'il est tout le contraire de ce que vous continuez à dire qu'il est. C'est à nous de ne plus tenir compte de ce qu'il continue à dire et en lieu et place tenir plus compte de ce que nous vivons, des actes que le chef de l'État pose. Nababisonyo Soyo, Nassima, on pousse. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à Martin Fayoulou? Je crois que y a Martin. C'est aussi un grand frère. Okay. On était ensemble au rassemblement, nous avons milité ensemble à un certain moment. La décence et mon éducation m'interdisent parfois de le déshabiller en public, mais je crois que le mieux à faire, ce serait de ne pas le suivre, de ne pas répondre à ce genre de choses. Et bon, le chef de l'État travaille. Hein. Alors, revenons sur la question problématique de l'Est. Mais alors, Monantéba, comment on règle cette question? Finalement, est-ce qu'il est possible qu'après 23 ans, que les dignes fils de Goma sortent le matin et rentrent le soir sans besoin forcément de prier pour que Dieu préserve leur vie? Est-ce qu'on va arriver à un moment donné où un père peut être fier et calme, il sait que son fils est sorti et qu'il reviendra quand même, qu'il ne mourra pas? Ça va, on va y arriver. Ouais. On va y arriver. Comment? C'est quoi les schémas? Mais Christian, nous avons fait de bonnes études, toi et moi. Quels sont les moyens de règlement d'un conflit? Parce que là, c'est un conflit. Et c'est un conflit qui ne concerne pas les Congolais. On ne peut pas parler de guerre civile, comme certains veulent chercher. Non, ce ne sont pas des Congolais qui massacrent. Il y a des Rwandais dedans, il y a des Ougandais dedans, il y a des Burundais peut-être dedans. Il y a tout. Il y a tout. C'est un melting pot de groupes armés venus de différents pays pour venir foutre le bordel en RDC et semer la mort au sein de nos populations. Que faut-il faire? Je parlais des modes de résolution des conflits. Le premier mode de résolution d'un conflit, c'est la diplomatie. Et dans la diplomatie comprend elle-même tout ce qui est, tous les paramètres tels que la négociation, le dialogue et consorts. Le deuxième mode de règlement du conflit, c'est celui qui consiste en la force. La dissuasion. La dissuasion, on ne peut dissuader quelqu'un que lorsque vous avez déjà la force nécessaire pour le dissuader. Exact. Je ne dis pas la dissuasion, mais la réaction. Mais la réaction passe par quoi? Par une armée bien aguerrie, une armée bien équipée, en tenue, armes, munitions. Et bien formée. Et le traitement, bien sûr. C'est-à-dire la solde comme premier traitement, la solde qui est le salaire des militaires, et puis surtout le ravitaillement en termes d'alimentation.
Nous en sommes encore à nous poser la question de savoir si militairement nous sommes capables de réagir face à ces groupes armés. On accuse vos généraux, on accuse vos officiels. C'est à ça que j'en viens. C'est à ça que j'en viens, Christian. Mm. Avons-nous les moyens de réagir? La réponse est oui. Parce que ce n'est pas une guerre entre États. On ne va pas faire la guerre à l'Ouganda, à l'Angola, au Rwanda ou quoi pour qu'on dise que ce sont les moyens d'État qui vont être déployés ouvertement pour faire la guerre à la RDC. On n'en est pas là. Il s'agit d'une guerre larvée, d'une guérilla en fait, de plusieurs guérillas entre des groupes armés et l'armée loyaliste congolaise. Non, pas loyaliste, l'armée tout simplement. L'armée. Parce que si vous parlez de loyaliste, ça sous-entend qu'il y a des troupes rebelles. Non, c'est que vous sous-entendez qu'il y a des troupes rebelles. Exactement. Or, il n'y a pas de rebelles, ce ne sont pas des rebelles congolais. Ce sont des étrangers qui viennent sur notre sol, endeuiller nos populations, avec l'appui de la même communauté internationale à laquelle appartenait l'ambassadeur d'Italie. Donc, avons-nous les moyens? Oui. Comment expliquer qu'une quarantaine, entre guillemets, ADF Nalu, entre à Beni ou dans les villages environnement, massacre, sortent sans même que les 400 ou les 500 militaires ne réagissent. Chaque fois qu'il y a affrontement, ou à l'époque du moins, à chaque fois qu'il y avait affrontement, c'est toujours les FARDC qui comptaient le plus de lourd bilan. Depuis que Fatih est venu au pouvoir, on a appris on a entendu des cinquantaines de policiers décapités au Kassai. On a appris des trentaines de militaires tués par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, quand il y a réplique, vous apprenez 4 FARDC tués, 17 rebelles, ou bien 17 assaillants. Ça veut dire, nous sommes dans la bonne voie. Mais là, maintenant, il faut que le travail se fasse à un double niveau. Un, au niveau de l'encadrement des officiers généraux, c'est-à-dire vérifier leur degré de loyauté, parce que c'est un élément très important, leur degré de loyauté, et entre-temps, essayer de sévir sur tous ceux qui sont plongés dans les détournements des soldes des militaires, des rations des militaires, parce que ce n'est pas possible que des boîtes d'exeter ou de sardines des militaires envoyés à l'Est se retrouvent sur les marchés à Goma en train d'être vendus. Donc, comprend pas. Quand on les vend, ça veut dire que les militaires n'en bénéficient pas. Et à ce niveau-là, il y a l'auditorat militaire, la justice militaire, qui doit faire un travail de fond. Alors, mais c'est un grand travail à la fin. C'est un grand travail, qu'on ne peut pas faire en 2 ans. En 2 ans. Alors, on va évoluer cette question, mais pour terminer le chapitre de l'Est, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères aller rencontrer l'épouse du défunt, mais le chauffeur était congolais. Et qu'il y a eu aussi des Congolais qui ont été tués pendant cet assaut. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne parle pas suffisamment d'eux? Même nous-mêmes, le Congolais, pourquoi c'est l'ambassadeur, la mort de l'ambassadeur nous scandalise? C'est vrai qu'on dit Abawa Kimugeni, comme on dit en Swahili. Oui, Abawa Kimugeni. Mais est-ce que ça, c'est au nom de ce principe qu'on oublie nos propres frères, les morts qui sont tombés, Mustapha? Non, mais je vais vous dire la vérité, de fond de ma pensée, hein, Christian, moi, je ne me tairai pas. Oui. Il y a une grande forme de complexe du nègre dans le chef de beaucoup de Congolais. Je vois dans beaucoup de pages Facebook, des publications, oui. Ah, ambassadeur, paix à votre âme et tout, dans les groupes WhatsApp. Twitter, je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas sur Twitter. Mais c'est le complexe du nègre, dans certains cas, où le Congolais, et c'est cette révolution des mentalités-là, ces changements de mentalité dont parlait Papa Étienne, c'est celui-là. Apprenez un peu à aimer votre voisin, votre frère noir, avant de vous plonger sur l'amour des étrangers. Et c'est ça qui fait que le pays a du mal à décoller. Le Congolais est prêt à tuer son frère pour soutenir l'étranger qui vient tuer son frère. Oui. C'est quand même incroyable. Pour le cas de la ministre des Affaires étrangères, Toumba Nzeza, elle est ministre des Affaires étrangères. Et à ce titre-là, c'est elle qui gère la diplomatie de notre pays. Oui. À ce titre-là, c'est elle qui gère les diplomates. C'est tout à fait normal que, pour sa part, elle se déplace vers la famille d'un diplomate qu'elle est censée gérer au sein de son ministère. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ce qui est paradoxal et anormal, c'est que le ministère de l'Intérieur ne réagisse pas. C'est que le ministère des Affaires
humanitaires ne réagissent pas par rapport au nôtre. Mais vous parlez de la ministre des Affaires étrangères qui est allée voir la femme de l'ambassadeur. Avez-vous entendu le premier ministre ou le porte-parole du gouvernement parler ou présenter des condoléances, non pas à l'ambassadeur d'Italie, mais à la famille de ce chauffeur-là? Non, pas du tout. Mais comment vous... Ça, j'ai pas entendu. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas possible. On est où, là? Comment voulez-vous appeler les gens à venir vous aimer au moment où vous-même, vous ne vous aimez pas? La haine. Haine, c'est devenu terrible. Même dans les choses les plus... Écoutez, on peut être adversaire. Oui, mais quand même. On peut ne pas avoir la même vision politique. Mais face à des choses qui touchent à l'humanité, l'humanisme de chacun, il ne faut pas chercher juste pour pouvoir trouver le moyen de donner tort à l'autre, de s'attaquer à des choses les plus élémentaires. Ce gouvernement qui est sortant, c'est même le gouvernement de la République. C'est mon gouvernement aussi. Même s'il était truffé de FCC qui ont bloqué l'action du chef de l'État. Mais c'est notre gouvernement à tous. Ils ont fait avec nos deniers. Oui, ils auraient pu. Hein. Ils auraient pu. À ce titre-là, je me dis que on doit apprendre la compassion. Le drame de la RDC, c'est qu'on est parvenu à normaliser tous ces massacres-là. À les trouver normaux, à les trouver génériques. Non, mais donc, ça fait quand même, mon intérêt, c'est 23 ans quand même. Oui, vous entendez la même chose, et puis c'est pour ça que vous habituez. Quoi. Christian, oui. Il y a 23 ans, vous avez sûrement perdu quelqu'un de votre famille. Bien sûr. Vous avez eu mal. Bien sûr. Si vous perdez votre mère aujourd'hui, votre père ou un frère aujourd'hui, vous aurez encore mal. Toujours mal. Mais parce qu'on ne s'habitue pas. Et surtout la douleur. La douleur est anormale. On ne s'y habitue pas. Et lorsque vous voyez des gens après 23 ans s'y habituer, c'est qu'ils ont tout. Ils sont tout, sauf des êtres humains. Sauf des êtres humains. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de cette histoire. Mais alors, j'ai envie... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes administrateur de l'Olatra, il faudrait le dire. Vous êtes, comme je l'ai dit au début, l'œil des fachis au sein de l'Olatra. Mais ça ne marche pas 2 ans après. Et la question qu'on se pose, le patrimoine immobilier de l'Olatra, on ne saura jamais ce que c'est devenu. Les impayements, ça continue. La précarité sociale, l'amorosité, tout ça. Mais alors, que faites-vous exactement? Et encore aujourd'hui, vous avez un surnom, Bobé Ngabino, comme on dit, Nalingala, Bobé Ngabino, conseil à Bajeton. Donc vous ne venez que pour de l'argent. Et puis vous partez, vous, M. Makila et les autres. Je peux répondre. Allez-y, répondez maintenant. Attends, Lingala ou en français, ou pas. Makamoluki. Pour commencer, Olobiawa, Nazali soit président. Oui. Conseil d'administration à Onatra. Normalement, Bissonioso. Et c'est un électeur à la Missounaï. Pour yem t'en nommer biso pour la moussala songolo pakala. Moussala tinda ki biso kuna biso nyon soto yebi moussala ou. Ezali bo kende bo tombola SCTP, ex Onatra. Bo kende bo kontrole, ba miyi bi nyon so ana baza la neutralise. Je suis du cash. Je suis. Moko kati ya ba oyo penza ba bounde li pouvoir. C'est vrai. Mais non, Onatra kuna na mimo na rate ke nga inde. Non, parce que c'est pas le cas. Tous abissonniers sont mis sur chef. Et Moussala au conseil d'administration de Sala. Les amis ont été battus. Les amis Makila, Monanteba, Kipoulou, Antoinette, Nopes Kibiswa, il y a Francis Mapanze, l'ADM Zang, l'honorable Nzangi, et puis l'ADM Mbo, Emmanuel Mbo, que je salue en passant, c'est un des administrateurs, au hasard, gravement malade, habite plus d'un mois dans HJ, administrateur Francis Mapanze, il est passé gravement malade. Mais vous verrez que dans le cas de Mapanze, par exemple, le scandale, il y a un papier qui a été fait pour les médicaux. Pour Andimina Koufa, Babati Koufa. Alors que les soins sont un droit. Un droit. Un droit fondamental. Un droit fondamental. Ouais. La loi le dit. Donc, il y a un patrimoine immobilier. Moutoua Géraka, patrimoine, Nakatia Onatra, et Zali Wabengi, département des services généraux. Nakata département de services généraux, il y a le patrimoine, c'est vrai, géré par la direction de la gestion immobilière en ce qui concerne les contrats signés avec des tiers. Dans ce Moutalibanda, l'INAS doit bien en attra, c'est la DGI qui signe le contrat. Ensuite, il y a les affaires sociales, Oyo, Ezako géré, bien et en attra, Oyo, Ezali attribué na agent et consort. Parce que les agents de l'ONATRA ont droit au logement. Patrimoine, on attrape normalement, na Kongwawa, après Église catholique, et Zalaki, SCTP, ex-Onatra. Na Mbanda Kwebele. On attrape wana, Nebota SNCC.
Il y a SNCZ, na Katanga, pour régler les cas qui sont nés. Chemin de fer. Maréchal, à l'époque du maréchal Mobutu, il dit non, non. Il y a Est et Tikala. SNCC, Ouest Ndé, Onatra, à gérer. Mais malgré ça, patrimoine et Onatra, ils ont numéro 2 après l'Église catholique. Ils ont qui? Pourquoi ils ont qui? Et puis, il y a un autre, j'en appelle vraiment. Na ba kondia mboka oyo baza na makambo ya justice na ba attribution na bango ba fongola lisu. J'en appelle vraiment au président de la République. Excellence monsieur le président, o baloba na yo on a tra canard boiteux, on a tra koufa, on a tra côté le matin eza lokuta. Oh. Poule aux œufs d'or ya Congo wa on a tra. On a tra. On a tra. Mais on nous a dit que ceux qui va boire kokuna ceux qui va punir yo, mais ceux qui va lingiote. Non, mais na lobi na yo poule aux œufs d'or. Car qui canard boiteux là c'est entretenu. Ah, donc les gens entretiennent ce chaos là. Ce chaos là et ce flou là. Non, le côté on a. Mais Rabbi, on a sur le côté, on a batoté, vous en avez. C'est ce qu'on nous a dit, on nous présente un attrait qui font même finalement dissoudre à la limite. Non. Je lui parle, président, à la nanga. Poule aux œufs d'or. Mais c'est vrai que l'état actuel est en train. Et ça, catastrophique. Mais ce qui, nous avons la Bernard Tapie, et là, on dit ça, et puis ça, une autorité dans mon pays. Quand la société, il faut qu'on dise, il faut qu'on pense à ce qu'on a récupéré avec un bon leadership, un bon management. Pauvre société, Mathieu, comme parmi les plus grandes sociétés. Bernard Tapie a joué Adidas, Adidas PSC, dans un trou pour une bouchée de pain. A comme ça, Adidas, groupe les années, non. Pourquoi pas on entra? Mais ça, ça dépend de quoi? Ça dépend du leadership. Non, patrimoine. De la direction générale, pas du conseil d'administration. Patrimoine, on entra, Ezali, Spolier, Libabe, Nabango, Nazalaki, président de la commission d'audit des services généraux. Donc, tout ce qui est patrimoine, pharmacie générale, centrale, garage central, t'as là. On entra, dans la branche, dans la sous-branche. Pourquoi on entra, là, port? Port de Matadi, port de Kinshasa, Boenaboy, chemin de fer. Mais ce n'est pas ça. L'avenir de l'Onatra, c'est dans les services généraux. Utex Afrique est Koufaga. Ouais. Mais Utex Afrique est éliminé. Il est le commun, un des grands groupes textiles en Afrique. Parce que l'Utex Afrique n'a pu réinvestir que sur son patrimoine. Or, patrimoine Utex Afrique, ce n'était même pas un cinquantième. Il y a patrimoine Onatra. Mais Bango, comment partir à patrimoine, ils n'ont même pas un cinquantième. Il y a patrimoine en Atra, va parvenir qu'on relance l'activité Tex Africa, Tieko Malelo, un des plus grands groupes textiles en Afrique. Le leadership, le management. Oui. Banda qu'on Atra, spolié du 1er au 30. Et comment le rôle va bien 100 mètres. Oui. Et puis, aussi, le terrain Sokopao. Aussi, Ngaï n'a pas de conseil pour Bazo le Baketozo, il y a qu'à bas. Pour la jeton. Oui. Christian, de Konangaï. Commission d'audit, on a hors de démission, c'est qu'il y a 10 jours. Mais il y a 5 jours. Il y a 10 jours, ça fait 25 jours. Et en passant, 25 jours, on a dit les lots. Tu as sauté. Mais il y a un gang, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as. Je pose la question, mais comment? Il y a des collaborateurs qui ont dit que la commission, tu as dit que tu. Des gangs petits. Vous comprenez? Mais la commission n'a pas dit. Qui sasa awa et si kanyon son atras en andako, nana komani. Avec l'ADM Emmanuel, l'administrateur Emmanuel Mbo, na commission Mobimba. On m'a vu partout, na komani, comme Moutali Boma, na basoko pao, ou na bafuna. Donc, ti na gare alimenté. Je suis quinoa. Na gare alimenté, na gare. Je suis quinoa, na botama na kin, mais les bagate place qui alimenté zara na. Bon, je sais pas, je vous informer en fait. Côté à Somba Zigida, on a balabala. Donc, ce qui est au Tindolo, aux Okatissa, on est au côté boulevard, le mot bokeh tout droit. Tout droit, tout droit. Okatissi, Bokassa. Okatissi, tout droit. Na droite, place au Bazo Tonga Station. Et encore un cas de spoliation. Trozong et Lango. Oui, il n'y a pas de problème. Gare à limiter sa gare. Na sala descend dans la gare, na kouti Bazo Timolali. Mais ah, Nin, oh non. On a tra à ses contrats dans Petrocam. Petrocam, Aza au moins na 6 sites. Oh, il va signer un contrat pour Atonga. Station, Atonga Boué, Atonga Boué. Or. Conseil d'administration est bien, hein? On est en gestion courante. Ok. Mais, tu es bien par rapport à l'audit de la salle qui n'a pas contrôle de la salle. Déjà, dans le contrat, il y a un contrat.
yo eko senga onatra ndako. Onatra signé nos contrats, azu garantie na yo. Mais, clause ya koloba ke, oko, contrat eko banda à partir à quand? Et ça raté. Et donc, on entretient ce flou là comme ça. Moutoua ko yazu palé lelo, na 2024, atongite asale le côté, avant ni na ye, pona ye, contre eko banda, era ko banda. Manka gadien sa ponana. Mais bon, l'état bien sûr, on entra. Sauti lobi. Petrocam a 6 contrats. On constate que à chaque fois que Petrocam Ayaka a signé contrat, a kotongate. Et pour finir, on a Moutoumoko, Aye, Nakomo Moussou, Station Moussou, a tongi. Dès qu'on a tongi, Petrocam, après 2-3 ans, comment comme la bino. Oh, mais non, mais là, le terrain, je ne peux pas construire parce qu'il y a des gens qui se sont accaparés du terrain. Alors, on a moni, il faut. Makamo bien sous carte. La justice, dommage intérêt, va recondamner, on a très cop et l'équipe va foutre bango. Et c'est toujours comme ça. Mais les gens qui construisent, j'ai été agressé à l'IMETE avec ma commission. Il y a un colonel là, d'abord ça ne comprenait pas, il y en a tant d'ailleurs mon colonel, mais au milieu, un colonel et un général derrière cette histoire. Il faut dans le cas, oui, il faut tout ça l'émission pour l'instant. Mais imaginez, un colonel et un général. Oh yo, ceux qui la police on a travaillé, bakobanda na bango mbangu batia na bambila wana pona ko sécuriser société wana qui n'a aucun contrat avec la SCTP. Soto lobby ba beni biso ba conseil ba jeton. DG na DG na ye, est-ce que ba yebi ata garo ya kingabo? L'actuel DG ba yebi. Mais voici ce que les gens disent. Ba lobby Monaté, bah voilà, la cité ou les autres. Mais Monaté, bah, c'est quand même quelqu'un d'instruit, c'est quand même quelqu'un d'informé. En plus de ça, ça m'a dit, ça, et puis, mais comment sont-ils incapables d'arrêter ce qu'eux appellent le laxisme ou la barbarie de la gestion actuelle? Mais parce que Bissotosa conseil d'administration. Notre rôle, c'est de contrôler la gestion. Mais des cas, mon souci à mouquer. Parce que je veux vraiment que Batouba l'aille bien. Naba, baba, Jean et Onatra. Oyo, chaque jour, on a instrumentalisé par un syndicat. Ba finga ka batu, conseil ba jeto, ba sali ba bandrol. Ba bandrol, moussou, c'est comme ça les mains. Mais on s'assure qu'on finga bisote. Kalamingite. Et on va comprendre. Comment voulez-vous? On nous fait passer, nous, conseil d'administration. Pour des gens qui sont là que pour l'argent, ba ne. Ba yé même kolobake bat, ba zo fouta mate, po bisote, zo 54 multiplié ba conseil. Conseil d'administration, qu'on n'aura même pas 80 000 $. Mais dans le conseil, il y a 80 000 arabes administrateurs. Déjà, il y a déjà un peu de arabes. Na jeton, il y a un peu de gens. Ba sincère, il y a un ministère à portefeuille, il y a un transport, il y a un jeton. Secrétaire à conseil, personnel d'appoint au bazarana pour l'organisation. Moi, ce café, moi, l'hypotoliaka, moi, saucisson. Et ça, il y a un bon gars. Déjà, je ne sais combien de personnes au bazar peuvent compter dans la direction générale pour préparer le conseil, il va se rappeler jeton la banque. Est-ce que c'est vraiment 80 000 $ de barreau de banque? Conseil au tosali à soukha tout dit monter. To sengi pe monter. Pour au conseil à bajeton, eh, bon vendre na bajeton. Alors que c'est un droit acquis. Déjà, soukha zarakou tout sage. Hein? Et to, tika ki mon ango poto ki na conseil, fallait comprendre que, ah, bato yo, bazan a souci moussou. Pour souci na biabiso à soleza, ba état financier, mais na rokoma. Il faudra comprendre que dans le bateau, il y a un souci. Tu as fait ce moment où on a mangé. Après ça, tu as fait un pété et vendre. Ce n'est pas un problème. Il va utiliser ou vendre? Non, tu as évité au bassin. Mais le bac, c'est devenu. Parce que le problème, c'est le chantage au jeton. Dès qu'il y a un conseil, il y a un qui a en difficulté par rapport à l'ordre du jour, il y a un peu de cité. Sur l'explication, il y a un peu de cité. Au moins, il y a un peu de la trésorerie est déficiente. Mon résalité. Et c'est l'argument massu au bazo le balélo. Bah, dans ce foot à matin, on attrape au conseil d'administration, kakambongo, mongo, mais sans sérieux. Dans ce foot à matin, dans ça, les conseils. Depuis conseil, les gars, qui j'espère qu'il va fonctionner, bah, foot à matin. Bah, agent, on attrape à foot à matin. Non, mais il y en a qui ne sont pas encore payés jusque-là. Mais, dans le lobby, hein, il y a des scandales, Christian. Ngaï, Nabana Kinye, j'étais dans un rôle pédagogique d'abord. Non, Boété. Mais à un moment, je commence à en avoir vraiment par-dessus la tête. Et je crois qu'il y a des choses qui doivent être dites. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? On accuse le PCA. Balobi Alingi voyage Mingi. Kolelalela à tout moment. Il n'a pas le temps. Il n'est pas présent. Tantôt il est aux États-Unis. Tantôt il est en France. Tantôt il est dans l'histoire. Balobi même quand ce mignon comme Nene à Dallas. Il a acheté une grande maison à Dallas. Et cash même. On ne sait pas. En tout cas, Bazolo Babongo. Mais il y a beaucoup d'administrateurs. Yebisabiso. Comment vous faites là-bas? Parce qu'on a comme l'impression que le DG, la DGA,
n'ont aucune considération pour vous. Ils estiment que Bossala est l'eau comme mon côté. Et même, on dit même que vous rendez un très mauvais service au chef de l'État. Ah bon? Christian, je ne suis pas ici pour faire la défense de Makila. Ouais. Il est assez grand pour se défendre tout seul. Mais Nabama Kambo et Nazomona et Alokuta, j'ai le devoir de rétablir la vérité. Parce que très souvent, le tort n'est pas à donner à ceux qui font le mal. Le plus grand tort est imputé à ceux qui les regardent sans rien faire. Dans la Minitoyo, Kota la pe batouana mi balé sans qu'on réagir, et Zalobola, Naïmne, Nazo Salama Beko le Kaba. Mais je vais dire la vérité. Et le DG qui me regardera sûrement connaît la vérité. Makila Somina qu'on est aux États-Unis à Dallas. C'est sa vie privée, je n'ai pas mêlé de ça. La question est de savoir, à ce moment-là, on a tra. Ce que ça a mon tra, mais il faut qu'on a de la M dans le mangou. Bakangaye, mon on a raison. Mais ce que ça a mon tra, c'est qu'on a la nani. Makila a représenté Kakaba voyage. Mais moi, je ne comprends pas. Voyage à Soko et Bimisi, et ça li buzz à wa. Pene pas bon mabatou. Oui, Tindina Bisso, comme on voulait salir Makila, et que Makila tout seul, ça ne suffirait pas, il fallait qu'on salir Batou Nyonso, devait Robin Nanga, Daniel Monateba, administrateur à Bacheton. Mais le DG au mois d'octobre, Makila, qui est un registre médical, qu'a-t-il un document? Pourquoi, dans le moment, il y a des problèmes? Ceux qui ont été pression à l'état financier, ils ont risqué, et même Bisso, alors, tout le monde a attaqué le conseil. On n'a rien à voir avec ça. Biso, tu as un problème dans Bangote. Tu as un problème dans Mibeko. Mibeko est lobby que les états financiers sont de la responsabilité. Responsabilité, pas compétence. Responsabilité exclusive du conseil d'administration. Que vous avez besoin de 4. Oh, Biso, tu as un 4. C'est-à-dire que ce qui délai et l'équipe tribunal a constaté échec, ce n'est pas le DG à convoi. Et ça, conseil d'administration, les ministres. On tombe. Mon frère, c'est quoi, Christian? Compétence, il y a l'état financier, il y a direction générale. Mais responsabilité, il y a conseil d'administration. C'est quoi la différence entre compétence et responsabilité? La responsabilité, dans le sens que ce qui est salémité, et nous avons le conseil d'administration, vous allez être irresponsable pour et salément. Mais ce qui est salémité, et nous avons le direction générale, Bazali, incompétent pour remettre le conseil état financier à temps. Or, na niveau ya responsabilité, na ba acte autoposé, na ko senga na mikanda, na ko komana ministre, boya na ba état général, na ko pesa ba délai bitoire et ça respecté. To la kisi sans sa responsabilité ou non? Ça vous avez fait, mais pourquoi? Mais pourquoi ça pose un problème? Mais nous, on montre, on a démontré notre sens de responsabilité. Ouais. Mais eux, ont-ils prouvé leur compétence? Mais vous les accusez de quoi exactement? Non, mais les états financiers, bon, c'est maintenant le banalang. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais c'est la question qu'il faut leur poser. Dès lors que Tissico a été financier, ça veut dire qu'il y a incompétence notoire et totale au niveau des services. Quels sont les services ou les départements qui ont, ou les directions qui ont en charge l'élaboration des états financiers? DOG et département financier. DOG, c'est-à-dire tout ce qui est informatique et consort. Département financier, parce que c'est au niveau de la comptabilité que ça se prépare. Et puis, bien sûr, le directeur de département devrait pouvoir participer à ça. Mais Nanyon Soyo, selon là, quand vous constatez une incompétence comme ça, mais département financier, non, il faut quoi? Est-ce que la dernière réunion, Boussalaki, le dernier conseil, on va dire, au Boussalaki, est-ce que Banani Bayagi présent, Banani Bayagi présenté? Tout le monde était présent. PCA Ayaki, les administrateurs dans leur entièreté, à part Adem Lopez qui vit aux États-Unis aussi, en soi, et l'Adem Emmanuel Mbo, on a aussi à Odiaza, n'a agi. Censeur, il y a ministère et à transport Ayaki. Censeur, il y a actionnaire unique, donc ministère et à portefeuille Ayaki. Bah, commissaire au compte, Bayaki. DGA Bayaki. Pourquoi? Pourquoi on a le bah, commissaire au compte? Lettre Oyasuka PCA lobby que nous devons tenir le conseil d'administration des états financiers le 15 février et les KT, vu. Déjà répondre par écrit.
que date à les 15, tu as qu'on respecter d'abord un l'arrêt à terre. Deuxièmement, raison principale, c'est que ma commissaire au compte, ma sengi report jusqu'au 26 ou le 27 pour ma coca qu'on présentait rapport à Bango parce que Moussala et l'équipe. Le 26 dans le 27 février. Oh, tu l'équipe déjà, je crois. Non, non, non. Non, tu as donc 3 jours. 3 jours. 3 jours. Pas ouais. le 23. Ouais. Donc, le 26 et 27. Au moins, il y a mais c'est un truc à Bango sous conseil le 26 et 23 au conseil à Bachéton. On comprend. Mais depuis le 15, il est loin, il est salé. La sale blague maintenant, c'est le bisou conseil total. PC à Bengbisot. Non, déjà commis. Ah, mais présent, c'est pas possible. Mais les commissaires aux comptes ne peuvent pas handicaper la société. Bon, et commis Bango Sikoyo, n'est pas commis qu'on freine. On attend, non. Présent, il faut qu'on commet la Bango. Le PC a écrit aux commissaires aux comptes. S'en prenant à eux, on a pas retard, et puis en leur demandant vraiment, va payer sa chronogramme précis. Réponse à ma commissaire au compte, par écrit. Ah oui, mais nous ne savons absolument pas de quoi vous parlez. Bissot au n'a jamais reporté les 26, les 27. Quoi? Pessé à Béni Bango, Baye n'a conseil. J'étais là. J'étais furieux pour mon ami, Joyo, donc Bango n'est pas freiné Bissot pour Bissot le Bito Bimanetti, bah irresponsable. Ça, Sabine, non, non. Mais on ne peut demander un délai que sur base de ma document autorisé, mais jusque-là, on n'a encore rien reçu comme document. On a tout ça le 12, vendredi 12. Lundi, conseil. Total année, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pour tout cas, on a oui, est-ce que vous êtes prêt à venir au conseil de lundi? On vous invite. Comme ça, qu'on tire cette histoire au clair. Et qu'on trouve ensemble la solution la meilleure pour que rapidement l'état financier est quota. Christian, on m'a dit l'état financier, on a. Même dans la banque, ton partenaire est Libanda. Si vous voulez qu'on négocie crédit, ton achat, et l'autre, on va renseigner les états financiers des deux derniers exercices. Parce que 2021 et 2019. Il y a 2020, échéance en mois en avril là. Mais vous avez pimbé dans les affaires. Sur le lobby, conseil à Bajeton. Moi, mon Teba. Administrateur à Bajeton. Toke nango. Lundi, le commissaire au compte baillé. Et ça, il y a un pendant poké qu'on mette chacun devant ses responsabilités et surtout qu'on sache qui a menti à qui. Le commissaire au compte baillé. Bisseur Sotoye, DGNA, DGA, baillé. Comprenne qui pourra. Oya Koloba. Je vous ai dit tout à l'heure, on nous a même imputé le non-paiement des salaires. Oui, que Mbongo qui parle, mais non. Bon. Exemple à Mouké. Bajan, on attrape. Ah ouais, on a bombe à la tenga la cause à répéter. Dans le mois de décembre, nous sommes là depuis juillet. Six mois après, décembre, il y a le salaire du mois de décembre qui devait être payé. Ainsi que la gratification. Au à la 13e mois, déjà, depuis Toyaawa, nous sommes à 8 mois. Les agents étaient payés 3 mois, je crois. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Bon, le bagage, mon exaté. Mais ce n'est pas vrai que mon exaté. Est-ce que Bajan Bayebi, que recette et on entra, et aucun des plus n'a qu'au foot à bas fournisseur que Basalem? Comment ça? Mais fournisseur à Yenel, papa, ah on a un entrée, combien de temps sur Yena baffle à radio? Au tiers 10 000, bah combien 10 000, bah on fout au 10 000. Sur une vérification, c'est la vérité, c'est l'humanité. Tozongi n'a problème ici sur le département des marchés. Il faut qu'on fonde la mise sur le département pour nous obana bosoto et à mingi on a très salement na département. Bah on monte, na autre il va dire département financier. Mais le département financier sera lobby, il va dire non, il va chef de l'État de Zakuna, il va être. Il va être. Il va chef de l'État. Mais il y a un monsieur qui est là-bas, il va chef de l'État, Tshisekedi aussi. Il va le voir en été. C'est son frère. Je ne sais pas, une chose est sûre, frère ou pas, à Tezagi, il y a Christian, il y a Roger, il y a Nakoloba. Mais il y a Christian, il y a Bungi. Mais il faut un loba. Et puis il y a Christian qui est loba, parce que l'idéologie a peur. Idéologie à régime. Et ça, le trafic d'influence à Pambaté. Nana banga kamutu te na vinanga. Et je veux que ces gens le sachent. Na vinanga na banga biloko mibale. Na banga kanza menanzala. Na tosakande batu koleka. Mais na banga kamutu te.
ne faut pas chercher à nous intimider, Nabama Kambo. Bon, Bazagana, bon, c'est celui qui a dit ça la dernière fois, c'est vrai qu'il a mal fini. Mais moi, je le dis, il ne faut pas chercher à m'intimider. Dans mon salon, mon Kondamoka Pessinga, Narokene, Narokene, Nasuka. Oh, Lélo, je veux vraiment que les choses soient claires, Christian. Mais moi, je ne comprends pas parce que je me dis, moi aussi, en même temps, je me dis, mais tout porteur de nom de Tshisekedi n'est pas forcément de la famille Tshisekedi. Bon. Et même si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi on arrêterait une action pour ça. Mais en tout cas, personne n'arrêterait une action. Oui. Même si c'était lui-même le chef de l'État qui était là, on n'a pas arrêté. Mais il y a qui n'a pas arrêté. 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 Je suis fou de l'Onatra. Je suis fou de la vérité. Je suis fou des bonnes mœurs. Il ne faut pas chercher. On vous fait croire que les gens ne sont pas payés. Je vous dis ici. Aujourd'hui, Baja, on a travaillé, il y a des matadi, nakisasawa. Il y a des MAD qui sont signés, 168 000, 100 000, 180 000. Dollars. Dollars, oh, ils ont foutu à main. Cash. Dernièrement, ouais, tout ça, mercredi, lundi, ouais, sur, mardi, hier ou lundi. Donc, 40% plus ou moins des recettes et qui n'ont pas foutu à ma fournisseur. Et quel fournisseur? Qui ont fourni quoi? Il y en a 5 à qui? Et je demande, je dirais, Bissot, tu vas tout à l'heure pour nous. Bissot, il y a un bon contrat. Ngaye, Ngaye dans la débat. Nasengi, Nalombang, IGF et IA non attra. Oh! Mais je vous dis, IGF et IA non attra. Et puis, on me retient. Et IA n'a parquet général. Pour essayer de faire ça, tu m'as dit. Donc vous êtes convaincu qu'on va arrêter les gens là-bas? Nalobi, Nayo, à la queue le. Christian, je te le dis. On peut m'attaquer pour imputation dommageable, bien que je n'ai cité personne. Mais je n'ai pas de preuve, Zali. IGF et IA. Vous n'avez cité personne. Mais IGF hein, et IA n'a pas parqué. IGF, c'est rien, on attrape. Donc, vous avez de preuves. Nalobi, Nayo. Il y a des tournements, malversations et tout le reste. Tu sais, Christian, comment voulez-vous comprendre? Importateur, il y a mine, Sokine, Congo Futur, Sosimex, bon, Natangi de manière exhaustive. Bangone, ba client, mine, ba yakana, ba stock, ya makas. 400 conteneurs, 60 conteneurs, 120 conteneurs, Pakebo, ya l'onso. On attrape toza le sel, oyo toza, na ba hangar, na ba entrepôt. Mais les abangas n'ont pas d'entrepôt, il y a transit. C'est-à-dire que ceux qui me l'ont envoyé, tu as 4 jours pour nous évacuer. La plupart, il y a des importateurs. Il y a des gens tellement ébellés que pour évacuer en 4 jours, et comme les abangas passent. Entre-temps, pour stocker en haut, il y a place pour les risques pour en cas de moula, tonini, l'eau sort et qu'on béba. Donc, le meilleur moyen pour eux de sécuriser leur histoire, c'est de les faire traîner à l'ONATRA. Le problème, c'est que la loi de règlement, il y a gestion en attra, et prévoit qu'au bout d'un certain temps, ce qu'on a mis sur le connoté, va compter les frais d'entreposage et d'emmagasinage. Oh, c'est beaucoup d'argent. Hein? Mais dans le lobby, il y a un bon en attra, il fallait Azouaka. Frais d'entreposage, on a. Et tant qu'il y a un grand importateur, même si maman a mis sur Dubaï, sur China, il y a combien de l'andanga, papa. C'est la COVID. Dans un conteneur, si tu as un conteneur, tu as un et ça, combien, maman? Au téléphone, tu as 3600. Mais si tu as un foot, tu as 25%. 3600, 25%, tu as 900, maman, aussi. Parce que ceux qui ont payé sur les gens, on est en train de les indiquer. Mais je préférais, moi, que même ma maman, ma congolaise, ou ma bounana, ma commerce, ma passe, ma paix, ça va faire. Mais là, on donne aux grands importateurs. Les grands importateurs, il faut voir les sommes. 800 000 dollars. Et c'est le DG qui sollicite l'annulation de 75%. Il sollicite aujourd'hui, mais dans le temps, Ezaki Yemorondé Azosala Oalini. Mais mon frère, il n'y a que des annulations, annulations, annulations. Bon, si ma besoin est là, je vais vous foutre à mater. Moi, je vais vous foutre à mater. Vous annuler. Or, toute annulation, il a manqué à gagner pour la société. Mais imagine encore. Tu vas me dire conseil, en novembre, tu l'as dit non, en décembre, tu l'as dit non. Mais quand moi, yo, besoin de l'argent, mon exacté, mon exacté. Mais on regarde le manque à gagner. Ce qu'on a dit, recette et on attrape.
4 millions, 5 millions, parce qu'il y a, il faut faire la différence entre le chiffre d'affaires et les encaissements. Chiffre d'affaires est comme à 6 millions, à 7 millions, mais encaissement réel est comme à 4 millions, 3 millions et demi, 4 millions, 4 millions 500, depuis que Matadi est en train de faire des exploits, tout le monde commence à 5 millions. Mais imaginez, to vandi, to tali tali ba dossier to bino dans DG. Li kamboyo et sous kanana. Parce que besoin annulé, besoin annulé, besoin annulé, mais ti wapi. Conseil to sengi qu'on mette un terme à ces annulations. Et c'est écoulé comme une décision du conseil. Donc c'est-à-dire DG na DGA, soki baza DG na DGA kuna. Bien qu'ils ont été nommés par le chef de l'État, bisonde to pesa ki bango mandat. Et eux-mêmes sont membres du conseil d'administration. C'est-à-dire, Herbis est aussi mon canon. Bah, il faut sauter en côté. Mais malheureusement, Yokangaï, Christian. Dorénavant, les attaques sont péquissi, l'annulation. Parce qu'il y a parfois des organismes internationaux, ONG, banine, ils peuvent être bloqués. Beaucoup octroyés. Et ça dépend. Donc, il faut dorénavant que toute annulation est à la solliciter dans le conseil. Motivé, bon, mon âme. Conseil, non, la tête que ton vendre les sous jetons. Non, parce que la loi prévoit que le PCA a connu qu'on bien a mis nous-mêmes dans le téléphone, bosololi, ou bien beaucoup d'années, dans le bureau, naïe, bosololi, pas bosu, option, bon, panzani, jeteuse à la rate. On te coûte en a combien de fois? Plus de 200 fois. Et à chaque jour, il faut avoir problème, il y a un entraveur. Na l'embi, il faut na l'ouba. On demande à ce que dorénavant, toute annulation passe par le conseil. Parce que quand c'est 2 millions de dollars, et que vous annulez, c'est 75%. La personne paye 500 000. Le manque à gagner de combien? 1 500 000. Quand c'est 1 million, 75%, vous avez foutu 250 000. 750 000. Et qu'est-ce que vous avez? Yo on dit que la société est à perdre. Et perdre, Mongo va permettre au réinvestir. Depuis qu'on est là, on a parlé au conseil. Mettons l'accent sur le réinvestissement. Pharmacie centrale, les Aona. Il y a un attra. Au début, on a trace à produire Bakisika. Oh. Kinine, Banibakin, Baparacetamol, Banini. Pharmacie Zaona. Avec moins de 400 000 dollars, tu as renoncé production Bakisika. Pandémie à COVID-18, ça, na babou nanga, na proposa, na nalanda. Dans le baga, à nous enterrer à babou. Bah, jetons. Pandémie à COVID-18, COVID-19. Bah, gel, tu as un moyen de salangoir. On a tra. Alcool, na bah, gel, tu as un moyen de salangoir. Bah, hôpitaux, oyo, bah, tu vas respirateur et juste succès, les lots. On a tra, tu produis l'oxygène. Nous avons la capacité de produire l'oxygène. L'usine est là. L'oxygène et le gaz. Pourtant, nous, on est en train de manquer, on a l'hôpital. Bah, tu vas au koufa. Mais, machine, les années, moins d'un million. On relance. Production en gaz. N'a oxygène. Gaz, les lots, la société comme Bélé, Bélé, la réchauffe à gaz, la réchauffe à gaz, la réchauffe à gaz. Combien de temps on attrape? Le masque est au Zola Kawa. On attrape dans Kawuka, dans l'atelier à confection. Dans mon ministère de la Santé, Azopé, ça va commander 500 000, 400 000 masques, dans le particulier. Alors que l'on attrape avec moins de 150 000 dollars en équipement, dans une usine textile, on en a. Atelier de confection, Torobin, ça va masque à première qualité. On peut fournir des masques à toute l'administration publique congolaise. Et ça va mieux comme héros. Au Taliban, hôpitaux. Bon, hôpitaux, on est en train de l'eau, bah, mourir. Les agents ont droit à des soins médicaux. Mais ils ont droit plutôt à une mort. Vous en avez hôpital? Mon hôpital, il va où, toi, Pierre? Kawuka. Vous en avez hôpital à Kawuka? Je l'ai visité. Na Komiola, j'ai même vu un papa, un agent, le père d'un agent. Agonisant à Sali AVC Abeta 7 mois, qui s'y est comprimé. J'ai pleuré ce jour-là, à des mots, dans l'équipe d'Angab Auditeur. To l'élite, to se cotiser, ne to pesakisi. Deux jours après, pendant qu'on était en train de confessionner le rapport, on nous apprend papa n'a koufi. Et moi, na rondi, manamo, na moutoiso, koufa na miso nanga. Mais ça, c'est blagué avec les gens. Mais c'est scandaleux ce que vous dites. Hein. Mais imaginez, hôpital Wana. J'ai dit, aujourd'hui, l'Onatra est une société commerciale. Christian, excusez-moi, hein, parce que. Non, je comprends. L'Onatra est une société commerciale. Bah, j'en vais au Koufaka chaque jour. On a ça de plus sainte. Mais bon, il faut les aller. Société commerciale, les office. Une société commerciale, c'est une société qui est axée, qui est tournée vers la productivité, vers le revenu. Ouais.
Mais yebisanga sikoyo, le revenu de nos entrailles viendra d'où? Parce qu'on a un port à Matadi. Parce qu'on a un chemin de fer. Le port a été dédoublé avec MGT là. Chemin de fer au Abisso. RSS. Encore un scandale. Je demande au président. Batengape Makila, le président de PCA, a tenu la commission en a renégociation à contrat RSS. Oui, franchement, parce que. Mais comment imaginer rail Nabisso, main d'œuvre Nabisso, logistique Nabisso, il y a un wagon, d'ambou, na locomotive, mais il y a 80%. Oh, c'est ça. Si tu es là, c'est un autre qui est là. RSS, c'est un contrat léonin. Il faut te casser en haut. Il faut écouter. Parce que Yangon est bomira Yaona. Mais comment vous faites pour signer des contrats comme ça? Mais qui a signé? C'est des contrats qui datent depuis de 5 ans. Nala Zaraki. Mais ça fait 8 mois. Je te rappelle que chef de l'État, ça fait 2 ans. On ne peut pas tout régler en 2 ans. Oui. Je ne peux pas tout régler. On ne peut pas tout régler en 8 mois. Mais il faut tout le bagaba vérité, mon sous. Mais RSS, qui protège RSS? Les syndicats soutiennent RSS. De l'autre. C'est un syndicat, beaucoup trappé dans ma copte. On a évité, mais il faut se poser des questions. Et des bonnes questions. Comment vous pouvez avoir 20% sur 80%? Mais sur 100%? Comment? Non, ça, c'est de l'imbécilité de notre part. Je ne trouve pas mieux. Et on va y mettre fin. Nalobi, narcotique. On va dire, ah, la minute. Attends, chef de l'État, Bengabino, Daniel, là, tu es vraiment trop énervé. Tika Makamwana, non, ne suis pas sans ressal avec ces pambas. Narcotique. Et je veux que ces gens-là le sachent. Ah, tu bandi, narcotique. M'appelez-moi administrateur des jetons. Namoussalo, na salé, on entra. Moi? Jamais. Christian Tokéi. 4-5 millions. La bêta qui est là à atelier de confection. Tozan imprimerie à l'espace de l'Église de Guinée à Dispromane. Avec 800 000 dollars, on a les équipements les plus modernes imprimés. On battra tout le monde parce que expertise des alliés. Il faut juste reformer pour bah, indice vacant et ça est belé. Et c'est un peu comme ça partout. À l'ONATRA, on a trop de retraités d'invalides, bah, on a parlé. Mais entre-temps, ma bah, place dans un salle est égale vide. Eux perçoivent, continuent à percevoir le salaire en attendant leur retraite, le salaire total. Mais entre-temps, il faut renouveler la main-d'œuvre de l'ONATRA. Renouvellement est athée. Imaginez, non, Makambaba, état financier, une petite anecdote. Logiciel informatique. Il n'y a qu'une personne qui maîtrise ça. Libabe yakate eye pour retraite. Moutake na retraite. Ba équipement est sali ba mouta ko finata bouton on azate po boibi même pas n'a repéré ça. Logiciel. On a été recherché ce retraité là pour aïa ko aider bango na état financier à tour. Or, en plein conseil, on avait parlé de ça. Mettre l'accent sur le renouvellement de l'outil informatique. Bah mon ami sur Bazoba, les lois Kangamit. Ouais puis l'état financier. Pour y avoir des problèmes. Oh Makila, oh les conseils. Non, d'accord. Nous sommes au lobby. Makila somi nda kuna Atlanta, ok. Somi pe na Washington, New York, somi na Bagata, na Mongata, na Basankusu. D'accord. Bisotora kapo na bajeton, ton dimi, ton zora jeton, 50 000 dollars par conseil, bisotora, bisotora, ton zobo monde, on entra na bajeton, ton dimi. Mais eloko to sengi kaka, wapi ba état financier. Et c'est tout le problème. Mais, n'ayez un expliqueur, comment vous pouvez comprendre? Yo, osan la tête à société, ba état financier, o yoko permette, yo koutou, osan mongo posa la politique et réinvestissement, na ya relance à ba activité, osan kokate. Mais est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est entretenu? Est-ce que c'est il y a d'autres conditions dans ça là que l'État financier a laté? Peut-être. Non, je ne peux pas juger, mais je préférais, ça c'est ma préférence. Hein, je préférais que ça se limite à de l'incompétence, parce que si ça devait en arriver à être entretenu, voilà on commence à exprimer, ça voudrait dire que ces gens-là sont là avec l'objectif. Quand vous entretenez la chute de la société, c'est que vous entretenez la chute du programme du chef de l'État. Bien sûr. Donc si c'est entretenu, si c'est entretenu, mais et ça, soit bazo entretenir en co, soit bazo ba incompétent. Na deux cas on a bango moko ba. Mais dans les deux cas, il peut plus être là alors, dans ce cas, dans les deux cas. Mais c'est toi qui le dis. Oui, bon, c'est une question. Na parce que oui, allez-y, continuez. Loba. Narokatate. T'es Loba, Loba. Parce qu'ils ont été trop loin. Non, vas-y, allez-y. Comment pouvez-vous imaginer? On a bika service général. Côté Mouké dans le chemin de fer, ARSS. Port de Matadi, entouré dans le port MGT, il y a l'Edia, na Sokopé.
deux ports, Oyo, Herba signera un contrat, même à RSS, on a un train. Herba signera un contrat, va se limiter à Kaka, dans le secteur Mouroboué. Soit sa chérie, soit non conventionnel. Mais les lots ARS, ça commence à la bas conventionnel, bah non conventionnel, bah sa chérie, à combien même, à combien même, à ta carburant, matalité, sans aucune norme de sécurité. MGT, Lédia, Nene Moko, Bazali réduit dans le domaine Mouroboué, mais il commence à faire tout. Nous sommes en chiffre d'affaires en Atra. Quand le chef de l'État avait parlé de mettre un terme au port privé, vous comprenez, c'est vous? Oui. Pour ce qui est Simbi, mesure, on a pour tout ça, on a 4 rotiques à côté. Ce qui est Simbi, on a 13 à télé. Est-ce que vous n'allez pas décourager l'initiative privée? Non, mais l'initiative privée, non, non, non. D'abord, l'ONATRA a, l'ONATRA, la STP, a l'exclusivité sur le littoral. Hein. Ok. C'est la loi. C'est la loi qui le dit. Initiative privée, non, mais Tosa n'a pas docker, il y a Newfort, qui sont un pays aussi, ceux qui te lobby les sous-sous. Bon, fou, t'as pas docker, bateau, bazo, kitza, babilo, on a pas bateau, tout ça. C'est eux qui font vivre l'ONATRA au port, là. Mais bah, docker, on a combien de moins payé? Tel a docker, mouta, même makabasaki, hein? Aro, même là, ta fille est mourant dans mon Congo. Bon, mouta, voilà ton boka. À côté de la bino, on a bureau, on a sobe, on a qui ça, ça, trobika. N'a pas paquet, on a trobika. Bon, fou, t'as bateau dans l'ombango. Est-ce que nous ferait payer? Non. Allez, là, chaque jour, bah, foutez mon monnaie. L'initiative privée n'est pas New Forana. Nous encourageons. Non, nous n'avons pas foutu mon aïe. N'a l'été, ils ont copté. Mais ils ont ma solo, n'est-ce pas? L'initiative privée ne doit pas non plus empiéter sur le bien-être de la société. Bakolo Baleno, on n'a pas les moyens de payer les gens parce que les administrateurs, tu as qu'à prendre un bon, prendre un bon, prendre un bon. Mais tant que direction générale, à Sengaki Bisso, autorisation, parce que tout montant supérieur à 1 500 000. Bango Bakoye, qu'on soit décision d'un côté. Il faut qu'on s'aide. Il fallait que vous salaire en gratification. Bah, ebisi Bisso, que Mbongo Oyo, Tozanango déjà. Et vous allez insuffisant. Tosemi na conseil a autorisé biso tozwa 3 millions na banque pour tokora ko sale loko. To mona ki flou sans document to boya. Makila bengi bengi biso to kuta bin na président wana ko simbate. Mais baye bisa biso juste bazana combien? Biloko fo ba somba, ba salaire ko za combien? Gratification ko za combien? Na ba vivre na eza combien? To yeba. Dans l'opacité la plus totale, on n'a eu aucune explication. Pour finir, ba comme le bao conseil d'administration des Boïba Foutabato. On a frôlé les meutes au mois de décembre. Face à cela, on s'est dit quoi? Non, non. Bazoa. Bafoutabato. Mais Toyo Kakebato Bafoutabato. Mais c'est Batou Nyos Bafoutami. Question. Deuxièmement, est-ce que Bajan on a travaillé que 3 millions en abissot au signaki? En dehors des 3 millions, Bazoa qui est sous 1 million. Bazoa qui est sous 500 000. Mon one cup. Mongwane Salinini. Avant, Bazoa Mongwane a 4 millions et quelques. Bazala qui n'a combien? Combien est-ce qu'il y a? Donc, normalement, on devait être en mesure de payer même 3 mois de salaire. Et c'est ça qui a été fait. Donc, Batika, quand incriminé Batou, n'a pas besoin de Mongwane. Moi, je n'accepte pas ça. Et c'est quoi la conclusion finale? Comment on fait pour sortir de ces conflits qui, finalement, ont opposé Bino na direction? Quand je dis Bino, ça veut dire que c'est monsieur. Conseil d'administration. Oui, conseil d'administration. Avec M. Makila qui a attaqué frontalement, en tout cas sans aucune pitié. Bon, ouais, t'as pas envie d'aller au concert, bah, c'est nous tous alors, qui sommes déshabillés. Oui, vous êtes déshabillés. Alors, comment on va pour régler la question entre Bino et la direction? Non. Parce que vous êtes censé vous en ensemble. Non, il faut, on est censé de vivre en bonne intelligence. Ouais. Et nous sommes ensemble. Moi, je ne considère pas être en conflit avec la direction générale. Moi, je considère que nous avons des désaccords sur certains points. La question que vous avez posée de savoir, comment faire pour se sortir de ce conflit? La réponse est simple. Qu'il nous amène les états financiers. Nous avons programmé un conseil le 16 mars, qu'ils aient le courage de venir d'abord, parce que maintenant venir au conseil, pour eux, ça devient un acte de courage, pour les assos simples étaient, mais qu'ils aient le courage, et surtout, qu'ils nous apportent les états financiers pour le 16 avril. Ce qui est un état financier, c'est nous avons été incompétents ou incapables. Lobby lobby royoka conseil à Bacheton. Oh, Makila Sominda Kuna Bandal. Oh non, Manate Basombi Villa Nayolo. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. La vérité, ils la connaissent, on la connaît. Moi, en tout cas, des vérités, j'en connais énormément. Et je vais les dire. Mettre un terme à tout ça, Bayana Baita financier. Que le conseil des états financiers se tienne et qu'il travaille rapidement pour les états financiers 2020. Voudrions. Mais je réitère mon appel.
à l'IGF et au parquet général, na lombang, je dis bien na lombang, bayana on a travaillé. Ce panier à crabe là, où les gens sont, il y a un petit groupe de dirigeants, de directeurs de département, directeurs, sous-directeurs de ceci, cela, bango na bango kaka, ils se sont en bande organisée, solidaires les uns les autres, pour piller la société, gens, bah, petit peuple, bah, koufaka. Ils sont mal tombés. Parce que ceux qui sont en train de se faire, en tout cas, on a télémis. Je ne dirais pas comme le chef de l'État avait dit que je suis prêt à donner ma vie pour la, les agents de l'ONATRA. Mm. Non, non. Mais en tout cas, mon intelligence, ma détermination, ma volonté, pour Ozoyango, les choses doivent changer et cette boîte doit être nettoyée. Très bien. Alors, on va revenir prochainement sur la question de l'ONATRA. La question est ouverte. Hein. Sont venus que nous commandons bah, Mbalobi qu'il faut corriger, il faut bandela. Monsieur Mbalobi va avoir réputé à Boya à débattre. Sauf besoin la vérité, la bille au Boko. Du moment où ça ne touche pas les individus, on peut toujours en parler. Alors, on va terminer avec ce dossier de Vital Kamerhe. Mm-hmm. Appel déjà, tout ça, appel la minute. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer? On s'attend à quoi? À un acquittement? À une condamnation? Allègement de peine? En fait, vous avez préparé Nengenin, personnellement. Non, moi, personnellement, on ne s'attend à rien d'autre qu'un acquittement. Et je peux vous le dire, Christian, Kamerhe vous a acquitté. Oh, on a fait amica, ma casse vocation. Non, quel fait. Ma preuve formée les athées. Et puis, yo, Nangaï, Christian, très bien. Nous avons eu affaire des tribunes à l'époque, avant le déboulonnement à FCC. C'est le FCC qui a fait arrêter Kamerhe. Eux-mêmes l'ont reconnu. Na quatre arrestations, on a compris que. FCC à Salekona, c'était pour écarter le chef de l'État de son premier partenaire. C'était pour l'affaiblir, en fait, de Bagnatari Kamerhe, avec une virulence incroyable. Aujourd'hui, nous avons tous été unanimes pour dire oui, c'est l'œuvre du FCC. Des petits malins diront oui, mais c'est l'œuvre du FCC, mais les faits sont avérés. La question est de savoir quel fait. Christian, juriste de ton État, Naroko, tu n'as pas considération minité parce que je sais que je te mettrai peut-être mal à l'aise par rapport à certaines de tes positions. Mais juriste de ton État, journaliste aujourd'hui, je pose des questions. Le droit pénal est de stricte application. Ouais. Ah, attends, Balobi, Kamerhe a détourné. Le tout, c'est de dire il a détourné quand, quoi, combien. Et le fruit de ce détournement se trouve où? C'est ça les éléments constitutifs d'un détournement des biens publics. Ouais. Mais aujourd'hui, que le gouvernement de la République à reconnaître que Bandako va condamner Kamerhe qui a détourné qui Bandonga Bandako. Gouvernement à reconnaître que parmi Bandako ana Bandako ango et monani na Lobito, na Dar Salam, na Matadi. Sikoyo. Somme ya Bandako ana et relongonatena jugement condamnation. Oui, mais est-ce que Bandako va équiper dans la kuna ou Bandako va équiper dans la livrée la destination? Non, 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 relisez le contrat. Première des choses à se poser la question. Est-ce que contrat sift au fond? C'est créné à Mwana. Bagazo lobalobalobaloba n'a qu'à répondre à Batoukakabo tout n'a. Le contrat était sif ou sobre ou forme. C'est quoi la différence? Free on board ou pas. La différence, c'est que sur les assifs, to forme, soit les maisons sont livrées à Matadi, dédouanées par le gouvernement et acheminées sur le lieu de leur implantation par le gouvernement, ou bien, deuxième version, c'est que Bamdak ayez. Fournisseur, donc c'est-à-dire le contractant, a dédouané, a mémi ango à Bandikotonga. C'est là la vraie question. Totangaka. Le contrat prévoit que le gouvernement amène les maisons jusqu'au lieu de leur implantation. Moi, je vais te dire une chose, Christian. J'ai une foi inébranlable. Et je demande à chacun d'avoir cette foi-là. Parce que là, aujourd'hui, il y a une armée de juristes sur le net. Oui, bien sûr. Tout le monde est devenu juriste. Pénaliste. Ah, ou tout ce bêtis, les solos, on entra. N'a pas commentaire au monde, n'a pas chemin de fer, barobima, dans les réseaux sociaux. Bah, doquer rapport à Matadi, barobima. Bah, constructeur de ceci, barobima. Congolais, l'ingé, on va bien en assoyer. Bouyouaï, ce n'est pas bien. Kamerhe sera libre. Parce que le FCC a été déboulonné totalement par le chef de l'État. En le déboulonnant, automatiquement, sa capacité de nuisance équivaut à zéro. Mais non, donc, la résultante logique, ils ont gardé dans l'objet, résultante logique, il y a un bateau qui est, poids à la wana, bateau à basa souté. La résultante logique, ils ont l'ini. Il faut abîmer. Comment est-ce qu'il faut abîmer? Et c'est là que je demande, personnellement, l'implication personnelle du chef de l'État. Poisson. Malembe. Malembe. Poisson. Non pas pour à s'immiscer dans le procès. Implication, on a dans le Saint-Félix, en tant que Tshisekedi Tshilombo, mon président.
c'est qu'à s'assurer que la justice, la vraie, soit dite au procès en appel, parce que nous devons reconnaître qu'en première instance, il y a eu des lacunes terribles qui ont poussé même la majorité des Congolais à douter réellement des compétences des juristes congolais. Mais ça fait une année quand même. Hein? Oui, mais tous aucun les. Bah dommage j'en ai ça en dé, monsieur. Bah dommage. Bah dommage j'ai fini la prison pendant une année. Non, ça fait partie des risques de la République. Mais tout ce que moi je sais, nazoa opportunité à solo la naïe. Si me suivra à Yébi, na bombité, moi les mots, na lobi vérité pour la vérité, na minute y a bon mais ça sauté. Aïe sangani, Daniel. Dans tous, imaginez, il y a un aboloko, malade, il me dit, Daniel, dans tout ça, je me dis, cette histoire risque d'amener des problèmes inutiles à la République avec ce Djamal ici. Il dit, moi, ça va encore. Jamais je ne pourrais traduire la RDC en justice. Parce que traduire la RDC en justice, c'est traduire Félix en justice. Je ne peux pas le faire. Donc, mais j'espère qu'ils pourront gérer le problème de Djamal ici, parce que quand tu vois des Français entrer dans la danse, comme cabinet d'avocats et tout, bon, c'est des choses que je ne devais pas dire, hein, mais Nalobiango, pour vous montrer que risque, il y a un dommage aux revanches, pas lui. Est-ce que vous pensez que Kamere est sincère avec Félix Tshisekedi? S'il ne l'a pas été d'antan, aujourd'hui il est. Mais ce que je sais, c'est qu'il était sincère depuis le début. Christian, nous savons, toi et moi, qu'il y a eu des actes et des faits qui ont pu amener à une certaine rupture de la confiance entre les deux hommes, qui se sont battus pour la conquête d'un pouvoir commun, mais qui, à un certain moment, avaient pas des visions différentes, mais peut-être des appréhensions différentes quant à la manière d'appliquer ces visions. Ça a pu créer une sorte de relâchement dans leur relation. Mais au jour d'aujourd'hui, l'homme innocent est totalement sincère. Est-ce que Félix... Totalement. Et ce n'est pas la prison qui l'a rendu sincère, comme certains le pensent. Parce que moi, qui le côtoie, je peux vous dire que du début à la fin, la prison ne l'a pas changé. Est-ce que Félix est sincère avec Kamere? Je me dois de l'espérer. Il est quand même le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Si on en arrivait à conclure qu'il n'était pas sincère avec Kamere, ça voudrait dire que ce n'est pas un homme sincère du tout. Ce serait trop grave. Moi, je pense qu'il est sincère avec Kamere. Je suis sûr même qu'il est sincère avec Kamere. Si ce n'était pas le cas, je ne peux même pas avoir cette appréhension-là. Comment? Alors, il doit être sincère. Il doit être sincère. Mais lui-même, en tant que chef de l'État, il est dans une pesanteur. Vous savez, on peut être au pouvoir, mais on ne s'appartient pas totalement. C'est tout dire. Mais est-ce que vous pensez que... Comment vous entrevoyez, sinon comment vous voyez l'avenir de Vital Kamerhe aux côtés de Félix Tshisekedi? Est-ce que seront-ils si proches qu'ils l'ont été avant, ou il y aura une sorte de mépris subtil entre les deux pour dire il a tenté de me noyer, ou ben l'un l'autre, et puis bon, prenons des distances quand même, hein, quand on a parti on va s'arrêter dans ma deal conventionnel et puis c'est fini. Non, mépris je ne pense pas, mais le plus important c'est que quoi qu'il arrive, le plus important c'est que ces deux-là ont chacun leur avenir. Même si vous divorcez de votre femme aujourd'hui, parce qu'elle vous aura planté un couteau dans le bras ou quoi, la cicatrice peut être là, mais tout dépend de vous. Vous surpassez pour vous dire que c'est peut-être par amour qu'elle a fait. Est-ce qu'ils arriveront? Ou bien vous lui tenez rancœur. Mais même si vous décidez de tenir rancœur à votre femme, ça ne change rien. Elle a son avenir, vous avez le vôtre. Donc, tout dépendra de savoir est-ce qu'ils pourront encore lier leur avenir. Ouais. Parce que l'avenir, chacun aura. Pensez-vous? Son avenir. S'ils pourront encore lier leur avenir. Mais comme nous sommes dans le domaine de la politique et non pas celui des sentiments, les alliances en politique se font au gré des meilleurs intérêts. Si un jour, ces deux-là se retrouvent dans un pôle d'intérêt commun, l'alliance sera très facile à faire. Surtout que je connais les deux. Oui, Félix, c'est un grand frère, Vital, c'est un grand frère. Je sais qu'ils ne sont pas mesquins dans leur tête. Mais pourquoi je me suis rapproché? Parce que c'est la fin de l'émission. Je voudrais poser une question joker. Oui. J'ai vu votre nom sur une liste des ministrables. On parle de vous côté à communication. Pensez-vous que Vital Kamerhe va vous choisir, vous, pour vous présenter dans la liste et pas Sama Lukonde, aux Okbima Kalamingite? On a parlé de la communication, on dit vous avez un franc parler, vous allez recadrer les Occidentaux quand ils vont faire des erreurs, vous allez recadrer les opposants quand ils diront n'importe quoi. Et donc, est-ce que vous pensez que vous allez être là
Et par là, est-ce que vous pensez que l'UNC va être représentée d'un niveau gouvernement à plus de 2 ministères? Christian, l'expérience m'apprend qu'en général, quand ce genre d'information fuite sur quelqu'un, en général, on s'arrange toujours maintenant pour l'étouffer, pour abîmer sa vie secrète, mais éviter. Peut-être que Yopé pour maintenant. J'ai la même réponse, j'espère vraiment que sinon je ne poserai pas la question. Si il s'agit de l'UNC, la question de la présence de l'UNC au gouvernement ne doit même pas se poser, Christian. C'est le premier partenaire de l'UDPS et du chef de l'État au sein du CACH. Les autonomies union sacrée, d'accord, mais papa, ceux qui ont le moins de banda, le côté de ma campagne, au robot, ça n'a pas besoin de banda pour le côté de ma campagne. Mais ce qu'on va tomber, bah, son nom attend à ma tanga comme même nos séries en déconnaio. Bah, ça va voisin à banda. Pour l'endroit à ma campagne, t'es pour bâton de banda ou qui toque pour au banda la zone à l'arté. Mais c'est la poids politique. Poids politique, moi, ça quel poids politique pour être président du Parlement. FCC. Non, mais moi, lui-même, lui-même s'est présenté comme FCC. Non, mais on peut comprendre ça comme ça. Ça va. Quel pas politique. Katanga, tu le sais. Mais Katanga, c'est pas un pas politique. Oui, mais... Il vient de quel parti? C'est avec quel nom politique? Pardon? Géopolitique. Ah, mais ce qui est moins là, MLC, à son côté. Ah non, député Bélé. Aujourd'hui, on parle de la représentativité politique, mais pas du poids politique. Ce que si naï, Sama, Katanga, bon, UNC, suite qui vous lance, qui vous manie ma. On ne mérite pas. Quand c'est Bati, il n'y a pas possible de Bati. Non, Bati, non, non, j'ai le côté. Alors, ça, président Sénat, candidat. Mais président Sénat, mais est-ce que UNC, quand même, on va appeler ça le nom de Sénat. A lui siège dans le Sénat, à lui siège dans le Parlement. Bati, on a siège dans le Sénat, à lui siège dans le Parlement, à cause de la ministre. C'est une représentativité à Est. Donc, c'est-à-dire, le col à Zouak est le nom de Sénat, dans le Parlement, il ne faut pas accéder au gouvernement, il faut Azala. Mais quand il y a ceux qui n'ont pas Azala, d'éviter pour les côté UNC. Et année. Ceux qui va proposer ngai, akokota avec plaisir. Ceux qui peut parler bak ngai té, zela nanu. Na botuna ka na zela pona ni. Je vais passer une explication. Na vandi, on attrape zo zela ngai, na za presser té bolonga na ngai. Peut-être donc on avait DG et on attrape, qui sait. Et ça ma kokas, donc ma kokisi nzambe, en attendant ma chez mon travail. Sont comme DG et on attrape. Quelles sont les trois mesures prioritaires que tu prendras? Déjà on attrape. Déjà on attrape. D'abord, on a sollicité dans le conseil suspension à la directeur à département. 80% à la directeur à département. Deuxième mesure, on a bien dit parquet général. On a bien dit notre Price White Waterhouse, maison à audit international, pas audité dans le département financier. Souk audit, on est à la batoire au côté du bois. Pour bien dire qu'on a parquet, on s'en va chaque jour, on a rappelé chaque jour, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Troisièmement, plan de gestion. Comment je vais gérer la boîte, les prévisions, tout ça, l'année, il faut tout ça, la plan de gestion sur 6 mois, 1, 12 mois, 18 mois, 24 mois pour les deux premières années. Et automatiquement, avec une gestion saine, on attrape en un an, tout on a recette à 6 millions, tout on a recette à 12, 13, 14 millions. Makila, un bon président, il a conseil, il assume bien. En tant que président du conseil d'administration, en tant qu'administratif, excellent. Là, je n'ai pas de critique à lui faire. Si on a des critiques à lui faire, c'est peut-être pour sa vie passée. Or, sa vie passée ou sa gestion passée de d'entités différentes de celle de l'ONATRA. Or, à l'époque, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, donc je ne vais pas le juger sur ce qu'il était, mais je le juge sur ce qu'il est. Il est excellent pour le moment. Directeur et cabinet, nomination, là, ça vous a froissé? Pourquoi? Parce qu'on aurait les caméras et les... Non, mais Niembo, c'est qui d'abord? Je crois que c'est un des seuls qui n'avait pas tiré sur... qui n'avait pas hurlé avec la meute. Pendant l'heure de l'arrestation de Kamel. Et puis Niembo, moi je ne le connais pas d'ici, je le connais depuis Bapoto. On ne se fréquentait pas, mais Bazama vient d'Abissot. Non conflictuel, Moro Roboya. Ah bon? Pragmatique, Moro Roboya. Droit, juste, Roboya. Et moi en fait, quand on l'a nommé directeur de cabinet, ça ne m'a pas froissé. Mais ça a une chair de poule. Parce que je me suis dit, ça c'est le départ. C'est le point de départ. Il y a lavage moko et Rosane Marana. Là où Kamer avait parfois le cœur, et même s'il n'avait pas le cœur, il y a
pouvoir FCC cash, cabinet Falaise à la Nini, chef de l'État, à Tiagi Tiagi Batobele, sans que Babango bien, caméra, à Tiagi Tiagi Batobele, sans que Babango bien. Mais Naminito, le chef de l'État, a yébi déjà, Babouzo, Batounaye Bélé, a yébi pe, ba force, a batne moussousou, n'attend Oyo, tout vendi na pouvoir Oyo, et Bélo Batrele Libanda, ba briller. Donc je pense que cabinet en a, cette fois-ci, ça sera le cabinet de l'excellence. Merci beaucoup. Monsieur Daniel Monantéba, je rappelle qu'on est administrateur et à Onatra. C'est un grand plaisir de passer à Michel Loyo. Alors, mesdames et messieurs, merci aussi d'avoir été nombreux. Vous avez suivi cette émission et le plateau est ouvert pour tous ceux qui pensent avoir une certaine vérité. Pour le moment, Onatra, tout pour le moment, Moussousou, le plateau est très ouvert. Merci d'avoir été nombreux. Vous avez quatre autres questions, je dis. Ognon son alobiao, pour la rose à peine à Bukilokuta. Je mets au défi quiconque de venir sur le même plateau, à la même chaise là, à l'obagena Bukilokuta. Et puis on va vous opposer. Ce qui a yépé na royal sous sous, mais trop coûte en cette face. Tu m'as qui m'en a été. Il y a face à face. Très bien. Oui. Vous avez entendu l'appel. Quelle la peur qui ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par de prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Loye Mbolo Ndende Yalisa.